Le terme d'agriculture urbaine rassemble deux notions a priori considérées comme antagonistes, comme le souligne Éric Duchemin de l'Université du Québec à Montréal. En fait, il s'agit de relier les lieux de production et des lieux de consommation. D'ailleurs, l'agriculture urbaine peut être considérée comme un levier de dialogue et de partage de visions entre le monde agricole et le monde urbain. Clairement, le concept d'agriculture urbaine a évolué avec le temps, mais aussi en fonction de l'aire géographique, avec un intérêt croissant dans les pays du Nord. Mais de quoi parle-t-on exactement? L'agriculture peut être définie comme l'ensemble des activités développées par l'homme dans un milieu biologique et socio-économique donné pour obtenir les produits végétaux et animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux destinés à son alimentation. Cette définition couvre en fait des activités professionnelles à but lucratif et également celles non professionnelles, une diversité que l'on retrouve en particulier en agriculture urbaine, et il convient de ne pas opposer les deux. On peut aussi élargir la notion de produit en incluant les différents services rendus. La notion de milieu est importante car elle va conditionner fortement les formes d'agriculture. Le milieu urbain est souvent rattaché à l'aire urbaine qui est composée du pôle urbain et des communes avoisinantes, dont une part significative des résidents, plus de 40%, travaille dans le pôle urbain comme le définit l'INSEE. La proximité géographique par rapport au pôle urbain n'est pas suffisante pour définir l'agriculture urbaine, même si cela peut expliquer les différentes formes d'activités agricoles. La notion d'agriculture urbaine repose surtout sur la proximité fonctionnelle avec l'aire urbaine et les influences respectives entre l'agriculture et l'aire urbaine, celle-ci comprenant un bassin d'habitation et de consommation, mais aussi d'autres secteurs d'activités économiques ou non. Ces influences respectives comprennent les choix de développement liés aux activités agricoles et à l'urbanisme, par exemple, l'utilisation des ressources du territoire, l'emploi, les interactions entre groupes socio-économiques. Avec l'engouement de l'agriculture urbaine dans les pays du Nord et en France, on a tendance à restreindre celle-ci aux activités agricoles à l'intérieur des villes. Or, selon le principe des relations fonctionnelles et des influences respectives, l'agriculture urbaine comprend en fait, comme cela est admis au niveau international, l'agriculture intra-urbaine, au sein de la ville, dans des zones fortement urbanisées, et l'agriculture périurbaine, dans les zones périphériques de la ville. D'ailleurs, il est intéressant de souligner que sur la base de ces liens de fonctionnalité ou d'influence réciproque, environ la moitié des exploitations agricoles en France sont considérées comme étant périurbaines. Dans certains départements, lorsque plusieurs pôles urbains existent, répartis sur le territoire, la totalité de l'agriculture est sous influence de ces pôles urbains et respectivement. Il est cependant évident qu'il y a un continuum entre agriculture intra-urbaine et agriculture périurbaine. L'agriculture urbaine est différente et complémentaire de l'agriculture en zone rurale dans les systèmes alimentaires locaux, comme le souligne Luc Mougeot. L'agriculture urbaine fait partie intégrante de l'écosystème local et est de plus en plus considérée ainsi par toutes les parties prenantes. Dans une aire urbaine, il y a forcément des concurrences entre activités agricoles et non agricoles, mais aussi de nombreuses complémentarités. Ainsi, Mousti et Mbaye définissent l'agriculture comme étant urbaine lorsqu'elle est localisée dans la ville ou à sa périphérie et dont les produits sont majoritairement destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre usage agricole et non agricole des ressources, telles que le sol, la main-d'œuvre, l'eau. Ces alternatives ouvrant sur des concurrences, mais aussi des complémentarités. Dans ce cas, l'agriculture urbaine est définie par le fait qu'il y a une autre possibilité que l'usage agricole des ressources. Plusieurs définitions ont été émises, et celle de Mougeot en 2000 fait référence. L'agriculture urbaine est une activité localisée à l'intérieur, intra-urbaine, ou sur les bords, périurbaine d'une ville, cité ou métropole, et qui produit ou élève, transforme et distribue une diversité de produits alimentaires ou non alimentaires, et utilisant ou réutilisant les ressources humaines et matérielles, des produits et services principalement trouvés dans et autour de la zone urbaine, et en retour, en offrant des ressources humaines et matérielles, des produits et des services, en grande partie à cet espace urbain. Éric Duchemin, au Québec, souligne que ces définitions n'incluent pas assez le fait que l'agriculture urbaine correspond aussi à un mouvement social visant à se réapproprier de nouvelles façons l'espace urbain et son alimentation.
Au-delà de cette définition générique, l'agriculture urbaine peut être plus précisément définie par plusieurs critères, notamment la nature de l'activité économique ou non, la localisation d'activités en intra-urbain ou en périurbain, les produits alimentaires ou non alimentaires, les systèmes de production, les services écosystémiques, les relations fonctionnelles entre l'agriculture et la ville, le devenir des produits, le type d'acteurs impliqués. La tendance forte en agriculture périurbaine est le développement de l'agriculture biologique et de la commercialisation en circuit court. L'agriculture intra-urbaine, elle, s'exerce sur de petites surfaces et une caractéristique forte est la dimension sociale. On observe alors une tendance vers le low-tech d'un côté et le high-tech de l'autre concernant les systèmes de production.